Salut, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Bon, allez, départ pour la semaine en enquête, c'est parti. On y va, là le temps il est moyen. Voilà, là je pars juste de chez moi, direction dans un premier temps dans le sud de la France. Voilà, et je vous dirai la suite lors du prochain départ, parce que là je fais une halte et après je reprends la route. C'est parti, à tout à l'heure. Bon ben les amis, ça y est, c'est parti. C'est parti, direction le sud de la France pour rejoindre Daniel en enquête paranormale. Voilà. Alors je m'arrête dans le sud, du côté de Béziers. Voilà, les amis. Bon ben allez, c'est parti. Là, j'ai 2h30 de route à faire pour aller jusque dans le sud, à Béziers. Je mange. Et après, on repart dimanche dans la matinée, tranquillement. Voilà, le temps est assez clair, ça va. C'est parti, allez, je vous fais une autre petite vidéo sur la route pour vous dire comment est-ce que ça se passe. Allez, bisous à vous, à tout de suite, ciao, ciao. Amis, encore sur la route, là je passe un premier tunnel, tranquillou, on n'est pas loin. Encore quelques heures de route et j'arrive dans le sud. Il y a un petit peu de monde sur la route, Là, franchement, ça roule. Mais bon, ça va, on a l'habitude. Allez, je vous reprends tout de suite quand je serai sur le pont de Millau. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Oh, mais les amis, j'arrive au pont de Millau, au péage. Voilà. On dirait qu'il y a l'air d'avoir un petit peu de monde. Ouais, Waz, il me dit qu'il y aura 8 minutes de retard. Je sais pas pourquoi. Ouais, je pense que c'est parce qu'il y a un petit peu de monde aussi, comme c'est les vacances. Voyons voir ça un peu, le monde. Bon, sinon, la route se passe bien. Il me reste quoi, 130 km. Là encore, de route à faire. Et j'arrive dans le sud. Puis c'est beaucoup de petites routes de montagne. Voilà, il y a beaucoup de virages, tout. C'est vraiment des petites routes. Hein. Allez, c'est parti, le péage, hop là, ça marche. Allez, petite accélération. Et il y a un petit peu de vent. Allez, je vais vous montrer quand même le pont de Millau, pour ceux qui l'ont jamais pris. C'est le plus haut pont du monde. Voilà, c'est un des ponts les plus hauts du monde qui a été construit. Voilà, je l'avais même filmé avec mon drone, mais il y a quelques années de ça, avec un ancien drone. Franchement, c'est impressionnant. Il est impressionnant, ce pont. On y arrive. Il n'est pas très long, mais il est très haut. Il est super haut. Le pont de Millau, voilà. Voilà. Vous le voyez d'ici. Allez hop, je vous remets à côté de moi. Voilà comment c'est fait. Et voilà. Mais ça pleut maintenant. Et la pluie revient. Il y en a du vent, on le sent. Bon, ça va, là je suis à 110, alors donc tout va bien. Mais ça déporte, même si la voiture elle est extra basse, elle a un bon aérodynamisme, on le sent quand même. Le vent de travers là, ça fait pas semblant. Bon ben les amis, là nous arrivons dans la grande descente, dans les grands virages de l'Audève. Voilà, c'est une route qu'il faut faire super attention, parce que quand ça pleut elle est très très glissante et c'est de sacrés virages. Voilà, puis là en plus ça flotte, c'est un truc de fou. Allez, je vous montre un petit peu cette route, pour que vous voyez ça pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, la caméra elle est tenue sur le pare-brise. C'est pas moi
qui la tient, donc il n'y a pas de souci pour que ce soit dangereux pour ma conduite. Voilà. Et là, on va traverser un grand tunnel, très très grand tunnel. Eh ben, ça tombe, je peux vous le dire. Il n'est pas top là le temps. Je sais pas si vous voyez en haut du tunnel, il y a une grosse boule de golf jaune. Ouais. Et voilà, voici dans le tunnel. Là, il faut faire attention parce que juste à la sortie de ce tunnel, il y a un radar. Un nouveau radar en plus. Il flash, mais de loin. Il est tourné à l'envers, mais comme c'est limité à 80, ça va. Ça va, ça va. Hop là, on a passé le tunnel. Sympathique, la petite Porsche. Ouais. Allez, on va passer encore le dernier tunnel. Allez, le dernier tunnel. Allez, on arrive, les amis. J'arrive, j'arrive. Vas-y toi le rond-point là. Ah ah, putain alors. Ah, vous le voyez en direct hein, comment les gens ils roulent. Hein. Ah, il y en a, c'est dingue. Ils se croient tout seuls. Là sur cette route, il y a un petit enfant qui s'est fait écraser devant les yeux de sa mère. C'était là ici, je les connaissais en plus. Il y a très très longtemps, l'enfant il a échappé à la surveillance de sa mère, il a traversé la route et comme à l'époque il n'y avait pas de ralentisseur, rien, les gens ils roulaient vite, et ben le pauvre enfant il a été tué sur le coup sous les yeux de sa mère. Ah la pauvre, putain, elle s'en est pas remise, pas remise, putain. Et du coup là ils ont bien sécurisé ici, des dodanes de partout, limité à 30. Et voilà les amis, arrivé, ça y est enfin. Bon ben allez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la route dans le... Allez les amis, ça y est, c'est parti, je repars du sud. Il y a un beau soleil, il y a un petit peu de vent, mais ça va. Allez là, il y a 2h50 de route. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao, ciao. Oh les amis, voilà, voilà. Je suis à Aix-en-Provence. Il reste encore une heure de route à faire avant d'arriver dans le fief. Nous allons rester toute la semaine. Voilà, voilà, il y avait du monde sur la route. Ça roulait pas mal. Mais là, on est sur les petites routes, tout va bien. Bon allez, à tout à l'heure. Voilà, bon ben le temps de décharger tout et décharger le matos. Et c'est parti pour les enquêtes. Allez, ciao ciao!
Thank you.